Ouais, les gens, c'est Skyvelo, comment allez-vous? Moi, c'est super. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre Let's Play sur Portal 2. Ah. Et oui, donc c'est parti, on avance. Whitley était mort dans le dernier épisode, malheureusement. On s'en rappelle tous. Le pauvre Whitley qui avait rien demandé. Et qui meurt finalement. Je sais pas pourquoi. Là. Ok. Là-bas. D'accord. Pas cool. Car je crois que je viens de comprendre notre première mort. Oulala. Fallait bien que ça arrive, hein. J'avais pas trop compris la salle. Ça arrive de temps en temps. Hein. Ah d'accord, j'ai compris. Ok. Excusez-moi, je viens de comprendre. En fait, c'est pas compliqué, faut juste avoir un peu de logique. Que je n'ai pas l'air d'avoir au final. Car je n'arrive pas à faire cette salle. En fait, c'est tout simple. Il suffit d'aller là. Il a un là. Ah, bon. Voilà. C'est tout ça. C'est ça qu'il fallait faire. Voilà. C'était assez chaud. Je pensais pas que ça allait passer. Oh, pardon. Je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Du coup, il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez d'éviter les déchets qui foncent sur vous. Les déchets ne se prêtent pas aux tests. Ce sont des déchets. Ok, c'est pas comme ça. On le laisse tomber. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité? Oui. C'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Ah. Et je suis désolée. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation. Ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. D'accord. Elle dit ça d'une façon... tellement normale. Genre, vous êtes un déchet. Et oui, ce n'est pas de votre faute. De naissance, vous étiez un déchet. Et vous Mais saviez-vous, les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille Pourquoi sont plus sensibles aux crises car elles... D'accord, la bonne, merci. Pardon, elle est je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Oh, l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Désolé. Retournez en prendre un autre. Oh, zut. Je l'ai détruit aussi. Pas grave. Nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande. Vous m'en débarrassez. Oh, j'ai l'impression que Whitley est encore en vie. Je viens de le voir là. Ok, plus d'élan encore. Boum. Oh, vous tournez le cube. Et bon, on va l'emmener. Oh,
Chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. D'accord. J'ai rien emporté, il est venu tout seul. Oh non! Je crois que celle-là allait vous avouer sa flamme. Bien sûr qu'elles ont une conscience, mais il y en a tellement. Ah! En gros, elle a tué des petits gens. Parce que les cubes comme ça, avec les cœurs, ils réfléchissent. Ça veut dire qu'elle a tué plein de gens. Elle a tué d'autres bombes. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation, vous vous souvenez? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test, qui n'en comportait pas. Là. Oula. Oh non, encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Voilà, si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Testez à l'instinct, je reviens tout de suite. Ok, ben j'ai réussi. Je peux casser la vitre là-haut. Bon, voilà, c'était plutôt simple. Hein. Elle est partie. Vous croyez qu'on peut faire n'importe quoi dans le labo maintenant qu'elle est partie? Avec les salles cassées, comment on va faire pour passer nous? On peut pas. Et ouais. Et ouais. Retour. Le retour. Ok. Ouais. Je vous laisse tranquille. Il y a autre chose qui pète des câbles. C'est moi! Tu vas bien? Oh, Whitley! Me revoilà. La plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse. Vous l'avez cassé, n'est-ce pas? Il est encore en vie. Voilà, essayez voir. Vous ne croirez jamais ce qui est arrivé. J'étais là, par terre, vous pensiez que j'étais vie? Cette ouais. Plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre adiposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. Attends, mais à propos, vous avez l'air en forme très belle. Essayez donc. Putain, qu'un oiseau dingue, non? Et donc, vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. Je vais plutôt baisser le plafond. D'accord, vas-y, descends. Toute la grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. La grâce d'un aigle qui pilote un ballon. C'est tout moi ça. Au revoir. Eh oui. Hop. Donc les niveaux sont assez simples au début, mais après, quand il va falloir commencer à réfléchir un peu plus.
Je suis pas le meilleur pour copier. Le prochain là, test va ça vous se plaire. Tout seul. Je vais me rendre à la surface. Il fait un temps superbe. Hier, j'ai vu un cerf. Si vous venez à bout du prochain test, je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf. Qu'elle a vu un cerf. Mais le plus important, c'est qu'on apprend que Whitley est en vie. Et oui, je crois que c'est ça le plus important, c'est que Whitley est en vie encore. Pour combien de temps, pour quand, on sait pas, mais Whitley est en vie. Donc, est-ce qu'on peut sauter là? Oui, je peux sauter là. Hop, d'accord. Comment se coincer complètement? L'orange, l'orange, bloc. Voilà. Donne le cube là. Ça se fait tout seul ce niveau. Boum. Ça. Voilà à quoi ça sert. Ok, ok. Voilà, ok, boum. Nickel, il faut retourner en dessous, faut décaler le rayon. Et du coup, le rayon, on met là. Juste en bas. On met le rayon là. Le trajet avec monsieur le bloc. Voilà. Et j'imagine qu'il faut refaire le trajet avec monsieur le bloc. Voilà. J'ai failli pas le prendre. Et bien voilà, c'est gagné. Je n'ai pas vu le cerf aujourd'hui, j'ai vu des humains. Mais avec vous, j'ai tous les sujets de test qu'il me faut. Oh la vache. Elle compte vraiment nous garder. Et nous, c'est pas notre but en fait. Et oui, notre but c'est de nous barrer. De ce laboratoire. Simplement. Test numéro 11 sur 22, ok. Ces ponts sont faits d'une lumière naturelle que je ponque de la surface. Ah. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer. Pourquoi mes cheveux s'embraseraient? Je crois qu'il faut aller chercher le bloc là. Il faut retourner là. Il est où le bloc là? Ah, il est là en bas. Ah oui, donc carrément en bas. Donc les blocs, j'espère qu'ils tombent en plus. J'ai pas envie de... Ouais, donc normalement là je suis au bout, là c'est ça. Le bloc qui va être là. Je vais y arriver, voilà. Oh, c'est beau ça. Voilà. Excellent. Vous êtes une prédatrice et ces tests sont vos proies. À propos, j'ai réalisé des recherches sur les requins pour un futur test. Connaissez-vous d'autres créatures qui tuent leurs bienfaiteurs? Les requins, vous dites? Erreur. La bonne réponse est personne. Personne sauf vous n'a cette cruauté gratuite. Ah si. Si si. Il y a des gens qui peuvent tuer sans raison. Voilà. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens qui peuvent tuer sans raison. Tout simplement des cons.
Bonne nouvelle. Voilà. J'ai trouvé comment investir l'argent que j'épargne en recyclant le volume terre qui vous est destiné. À votre mort, je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil. Ainsi, les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse. Formidable, la porte est en panne. Il va falloir que quelqu'un la répare. Non, pas de problème. C'est encore moi qui vais me dévouer. Okay. Ne touchez à rien. Hé, par ici, là-haut. J'ai trouvé des œufs d'oiseaux là-haut. Je les ai lâchés dans le mécanisme de la porte. Ça l'a coincé d'office. J'ai... Ah ! Bon, c'est sûrement l'oiseau, pas vrai? Celui qui a pendu les œufs. Bon, peu importe, ce qui compte, c'est qu'on va partir d'ici et très bientôt. Parole de Whitley. Il faut juste que je trouve comment. Il y a forcément un moyen. La voilà! Continuez les tests. Et surtout, on s'est jamais vu. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. Ok, on était maintenant... carré exprès spécial pour vous, mais non, faut qu'on prenne autre chose. Faut que je prenne autre chose. Voilà, comme un con. Ouf. J'ai failli perdre le bloc. Bravo. Je vais même le porter à votre dossier, dans la section mention spéciale. Oh, comme c'est vide. Performance satisfaisante dans l'ensemble. Donc on va rester sur des bonnes paroles. Moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.